certains Simenons, je retrouve un peu, et vraiment en toute modestie je dis ça, je retrouve un peu mon propre ordinaire, mon propre univers. C'est-à-dire que dans Simenons aussi, c'est des gens qui sont vos voisins et qui arrivent aussi quelque chose d'inattendu et qui les fait basculer dans quelque chose de romanesque, d'extraordinaire, etc. C'est un peu mon univers d'auteur. Et c'est ce que j'aime chez ces Simenons, c'est quand ils captent ce moment où la vie des gens bascule. Le dernier qui me reste en mémoire, c'est l'escalier de fer. Je trouve que ce complot familial, on va dire, et cette paranoïa que le héros peut avoir jusqu'à sa fin tragique, je trouve ça assez sublime. J'en ai un autre qui est l'affrontement de l'homme, du vieil homme et de la vieille femme dans Le Chat. Je trouve ça, ça résume terriblement ce que sont certains couples. Simenons est pour moi l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, et pas seulement auteur français ou francophone. Je trouve que c'est un des plus grands auteurs, donc son influence est importante sur la littérature, parce que je crois qu'il a une écriture extrêmement pointue. Et je pense que cette façon pointue de décrire les choses, très acérée, a influencé d'une certaine façon des tas d'auteurs, je crois.